vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Et c'est parti. L'actualité reste dominée par cette incursion d'un groupe rebelle à Bukavu dans la province du Sud Kivu depuis le milieu de la nuit du mardi au mercredi 3 novembre 2021. Et puisqu'il faut le dire, la situation est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais pour plus de détails, notre correspondant sur place est en duplex, Patrick Kiungu va nous dire, mais quelle est la situation qui prévaut actuellement à Bukavu après cette incursion. Patrick Kiungu depuis Bukavu. Monsieur Patrick Kiungu, vous êtes directeur provincial de la RTNC Sud Kivu. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé la nuit d'hier à aujourd'hui dans la ville de Bukavu? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vraiment, la nuit de mardi à mercredi, vraiment la ville de Bukavu a vécu une situation qui n'était pas bonne sur le plan sécuritaire. Environ de minuit, il y a les gens civiques qu'on appelle les Maïmaï qui ont fait incursion dans la ville, prêtant certains sites et vraiment insécurisant la ville. Il y a eu crépitement de balles à partir de ces heures-là jusqu'à même de 7 heures du matin. Alors, ici, nous devons féliciter nos forces de sécurité, en l'occurrence la police nationale congolaise, nos forces armées de la République démocratique du Congo, qui ont pris les choses en main jusqu'à les repousser. Et à l'heure où je vous parle, la situation est vraiment calme, sous contrôle. Et d'ailleurs, nous attendons le comité final de la réunion du Conseil provincial de sécurité. Voilà la situation. Donc, c'était des inciviques qui ont fait incursion dans la ville, qui ont vraiment créé la panique. Mais par rapport au communiqué du gouverneur, le gouverneur a demandé à la population de rester calme. Et en même temps, la population jusque-là est en train d'observer parce que la situation n'est pas normale comme d'habitude. Bon, ce sont ces gens, il y en a qui sont venus du côté de la commune de Bagira, pour ceux qui savent bien comment, où se trouve la commune. Il y a d'autres qui sont venus, je ne sais pas d'où, mais ce sont des gens, je ne sais pas comment ils ont agencé leur plan pour venir attaquer la ville de Bukavu. Mais il y en a qui annonçaient qu'ils venaient de Calais, et ils commençaient à crier pour dire que non, venez, vous viendrez à nous venons libérer. Il y a même au niveau de la commune de Bagira, ils ont même arboré leur drapeau. Je ne saurais pas vous donner le bilan. C'est possible quand il y a des crépitements de balles, quand il y a affrontement à armes lourdes, c'est sûr qu'il peut y avoir des blessés et des morts. Mais nous attendons le communiqué final qui va nous donner le bilan précis parce que, à l'heure où je vous parle, le comité de sécurité provinciale est en pleine réunion. Donc la situation est calme à Bukavu. Oui, la situation est calme. Nous commençons à observer déjà les gens qui commencent à circuler. Je crois que d'ici vers 16h, la situation reprendra sa vie normale. Merci M. Patrick Kiungu depuis Bukavu. C'est moi qui vous remercie, M. Skamba. On reste dans ces mêmes dossiers de la situation de l'incursion de ce groupe armé à Bukavu dans la province du Sud Kivu qui a fait l'objet d'un conseil de sécurité qui a évalué la situation sur place. Le calme est revenu et la situation est sous contrôle des FRDC. Il en ressort de cette réunion un bilan provisoire, le compte-rendu avec le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngwabidje. Dixième commissariat de la police nationale, face à cette attaque, nos forces de défense et de sécurité, la police nationale congolaise et les FRDC ont procédé à l'anéantissement de ces forces négatives. Et à l'issue de ces affrontements, que vous avez tous constaté tout au long de ces crépitements de balles, dans ces affrontements, on a tué 6 assaillants, 4 blessés, 36 assaillants captifs qui sont devant nous. On a récupéré 14 armes de guerre. Et malheureusement, de notre côté, nous avons perdu 3 hommes. Des 2 FRDC et 1 de la police. Comme je l'ai dit très tôt le matin, nous
Nous avons suivi cette situation tout au long de la nuit. La situation aujourd'hui de la République du Kivu est sous contrôle. Et nous venons de terminer un conseil de sécurité provinciale. Les mesures ont été prises pour traquer les assaillants dans les retranchements. Les enquêtes se poursuivent afin de dégager les responsabilités pour en répondre devant la justice. J'appelle notre population au calme, à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour dénoncer ces malfaiteurs, leurs complices et leurs commanditaires. Et c'est un plaidoyer pour l'Afrique et pour la République démocratique du Congo qui constitue la solution à la crise climatique mondiale que l'on retiendra du discours prononcé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, hier à la 26e conférence des Nations Unies sur les climats à Glasgow en Écosse. Suivez cet extrait du président de la République commenté par Pierre Kibambe-Somoïsa. La République démocratique du Congo, pays solution à la crise climatique mondiale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a vivement souligné ce mardi 2 novembre 2021 dans son discours à la 26e conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow, en Écosse, du haut de la tribune de la COP26. Les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon du monde et contribuent largement à la régulation de l'équilibre climatique mondial. Ce massif forestier est toutefois exposé au risque de déforestation. Dans le cadre de la mise en œuvre effective de l'accord de Paris, il est impératif de tenir compte, d'atténuer ces risques, car autrement, il en résulterait une crise écologique majeure. Au vu de sa prépondérance dans le bassin du Congo, la République démocratique du Congo, comme pays solution, porte une grande ambition climatique et tient à en assumer le leadership. Mesdames et messieurs, en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, j'ai récemment lancé le plan de relance verte pour l'Afrique qui vise à renforcer les mesures en faveur de la viabilité de l'environnement et de la prospérité en Afrique. Fidèle à cette ambition, la République démocratique du Congo a pris les résolutions suivantes. Accroître notre contribution déterminée au niveau national en l'apportant à 21% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Lancer un programme visant à planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Élargir notre mix énergétique en combinant l'hydroélectricité, le solaire, la biomasse, etc. Le plan national stratégique de développement ainsi que les politiques publiques sectorielles qui en découlent se fondent sur cette vision. Par ailleurs, la protection des droits des communautés locales et des peuples autochtones est capitale. Nous nous engageons à en tenir compte dans notre stratégie d'industrialisation, d'investissements agricoles et dans la gouvernance forestière. La réorientation envisagée des productions agro-industrielles vers des zones savanicoles, c'est-à-dire hors des zones forestières et des tourbières, cristallise la volonté claire de mon pays à conserver les forêts des communautés locales et à garantir les droits des peuples autochtones. La RDC est en effet détentrice des plus de 60% de forêts du bassin du Congo, poumon mondial de la lutte contre le changement climatique. Outre ces tourbières, le pays dispose aussi de grands puits, des stockages de carbone et des minéraux stratégiques essentiels à la transition énergétique. Autant d'atouts pour sauver l'humanité face au péril du changement climatique, a martelé le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, qui a porté haut la voix de l'Afrique à la 26e conférence des Nations Unies sur le climat pour impulser la marche vers une économie verte.
On reste en Écosse, vous le savez, la RDC se présente à la COP26 comme pays solution à la crise climatique mondiale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a dit et a réitéré son engagement à garantir les droits des peuples autochtones. La RDC, avec ses massifs forestiers, ses tourbières et ses ressources en eau et en minerais stratégiques, on fait le point avec notre correspondante sur place, Nene Mainzana, qui en fait le résumé. La conférence des parties sur les changements climatiques qui s'est ouverte à Glasgow au Royaume-Uni continue son bon chemin. Des bonnes intentions de limiter les émissions de gaz à effet de serre à 1,5 degrés Celsius se confirment par les chefs d'État du monde. La République démocratique du Congo, pays parti à la COP26, se positionne avec un seul message, la RDC pays solution. Devant la tribune des Nations Unies à la COP26, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réaffirmé l'engagement des pays du bassin du Congo pour assurer un développement durable et l'amélioration des conditions de vie des communautés lors du sommet des chefs d'État sur la forêt et la gestion de la terre. La forêt, la biodiversité, les mines, l'eau douce constituent l'enjeu majeur pour la survie de la planète Terre, comme l'a relevé la vice-première ministre du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba. Les représentants des peuples autochtones pour les bassins du Congo, Patrick Saïdi, coordonnateur du DGPA, saluait les engagements des chefs d'État et les appels à mettre en application leurs décisions pour la survie des peuples autochtones. Les promesses financières que vous faites et la volonté politique que vous affichez ici à Glasgow doivent maintenant se matérialiser sur le terrain. Des mécanismes efficaces doivent être mis en place pour garantir que les ressources mobilisées atteignent véritablement et prioritairement les communautés autochtones et locales. Les observateurs avertis attendent les résultats de la COP26. Et les participants saluent cette initiative de protéger la forêt de la RDC, deuxième plus grande forêt tropicale du monde, avec un financement d'au moins 1,5 milliard de dollars américains en soutien aux pays du bassin du Congo afin de protéger les forêts, ces tourbières d'Afrique centrale ainsi que d'autres réserves des carbones essentiels pour la planète, suivant cette réaction d'un des participants en Écosse. Et cette première session à laquelle nous venons de participer, nous en tant que République démocratique du Congo, pays qui dispose de la plus importante tourbière tropicale au sein du bassin du Congo. Nous étions là en train de parler du contexte de valorisation de cet écosystème qu'on appelle les tourbières. Et donc cette session était consacrée au contexte national de la gestion des tourbières. La session n'était pas axée sur le partage d'expériences, même si nous avons eu notre collègue de l'Indonésie qui a présenté leur gestion des feux. Mais en réalité, la session était axée sur le contexte. Nous avons dit qu'est-ce que chaque pays aimerait faire afin de pouvoir valoriser les tourbières. Et nous, République démocratique du Congo, nous disons que les tourbières du pays sont intactes parce qu'elles sont dans des zones inondées et d'accès difficile. Maintenant, notre vision se définit à la fois en termes de conservation de cet écosystème, mais aussi en tenant compte de l'aspect valorisation. Parce qu'il est important que des efforts de conservation puissent être valorisés en termes de retombées qui pourront améliorer le vécu des communautés locales, des peuples autochtones qui vivent d'un certain nombre de prélèvements qui pourront être effectués dans cet écosystème. Nous retournons à Kinshasa pour parler du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, dans le cadre de la coopération économique avec la Belgique, a reçu l'administrateur général de la fiscalité du royaume, Philippe Jacques, à la tête d'une forte délégation. Le commentaire est signé Edi Tchala. Une forte délégation d'opérateurs économiques belges, conduite par l'administrateur général de la fiscalité de la Belgique, Philippe Jacques, séjourne à Kinshasa en perspective de la foire qui s'ouvre ce vendredi à Kinshasa. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a assidûment travaillé à la réussite de cette grande rencontre d'affaires, lui a ouvert les portes de la chambre haute du Parlement. À cette occasion, Modeste Bahati Lukwebo a fait part à ses hôtes de la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, d'instaurer la bonne gouvernance et du travail abattu par son institution pour aider le gouvernement à mobiliser plus de recettes afin de répondre aux besoins de la population. Ce responsable des impôts de la Belgique est en mission à Kinshasa pour conclure un partenariat avec la RDC dans la traçabilité financière. Le président du Sénat a également échangé avec la journaliste internationale belge, Colette Brackman, avec qui il a parlé
du réchauffement des relations entre la Belgique et la RDC. Une initiative qu'elle salue et pense que l'heure est venue pour les investissements belges en RDC. C'est très dommage que les entreprises belges aillent partout dans le monde et ne viennent pas au Congo. Elles ont invoqué pendant quelques années l'instabilité, les problèmes institutionnels, mais maintenant ces excuses-là n'ont plus de valeur. Il y a une stabilité. L'honorable M. Bahatim a reconfirmé que les élections auraient eu lieu à la date prévue, dont le cadre politique présente une certaine stabilité. Et donc maintenant, les entreprises belges auraient vraiment intérêt pour elles-mêmes et pour leurs actionnaires à revenir au Congo et à travailler. Et je crois qu'elles seraient bien accueillies aussi par les Congolais eux-mêmes. La foire qui s'ouvre ce vendredi à Kinshasa sera un cadre d'échange pour parler des opportunités d'investir en République démocratique du Congo. Les femmes leaders de l'Est de la RDC évoquent la situation sécuritaire avec le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. C'était hier, la délégation a formulé plusieurs recommandations, surtout concernant la vie de la femme et de l'enfant du Nord Kivu et des Litouris en proie à l'insécurité. Reportage Patito Ndwangu, Marcel Mobenga et bienvenue Lusala. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a reçu les doléances d'une délégation des femmes leaders du Nord Kivu et de l'Ituri, des provinces sous état de siège. L'insécurité qui sévit dans ces provinces, exposant ainsi les femmes et les enfants à toutes sortes de dangers, était au cœur de l'entretien entre les chefs de l'exécutif national et cette délégation conduite par Mme Patience Sinamouli, qui a plaidé pour la fin des exactions des femmes. Que nous sommes venus pour présenter les différentes recommandations auprès du Premier ministre, c'est par rapport à tout ce qui se vit à l'Est. Le contexte est devenu très difficile et nous nous sommes dit que nous devons venir auprès de l'autorité pour faire qu'il revoie encore d'autres stratégies sur le terrain. Nous sommes en train de remercier son Excellence de nous avoir accordé de son temps. Si nous croyons à travers ses paroles d'honneur qu'il va s'impliquer réellement dans tout ce que nous avons remis comme recommandation. La délégation des femmes leaders est sortie de la primature satisfaite de trouver une oreille attentive de la part du chef de l'exécutif national qui a promis de prendre en compte les recommandations formulées. Redynamisation de la coopération militaire entre le Royaume de Belgique et la RDC, il en a été question au ministère de la Défense où la délégation belge conduite par le ministre d'État, député fédéral et vice-président de la Chambre de représentants du Royaume de Belgique, André Flao, a été reçue en séance de travail par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda-Korenga. Reportage Thierry Nzazi. Réchauffement de la coopération militaire entre le Royaume de Belgique et la RDC, examiné au ministère de la Défense. Le patron de l'outil des défenses, Gilbert Kabanda-Korenga, qu'accompagnait la vice-ministre Séraphine Kiloubou, s'est entretenu avec la délégation des parlementaires belges, conduite par le ministre d'État, député fédéral et vice-président de la Chambre de représentants du Royaume de Belgique, André Flao, sur le réchauffement de la coopération militaire entre le Royaume de Belgique et la RDC. L'ancien ministre de la Défense belge et député fédéral André Flao et sa délégation ont, au cours de ces échanges, réaffirmé leur volonté de continuer de travailler ensemble en vue de redynamiser les relations qui existent dans le domaine militaire entre les deux pays frères. Le numéro 1 de la Défense, Gilbert Kabanda, a pour sa part salué cette volonté commune pour la relance de la coopération militaire dans les domaines notamment de la formation, de la santé, de l'équipement et les renseignements militaires. Il s'y est de signaler qu'en son temps, la Belgique avait contribué à la formation de la première brigade d'intervention au centre commando de Kindu. À l'issue de cette rencontre, la délégation a aussitôt déposé une gerbe de fleurs au mémorial des anciens combattants au rond-point force publique. Nous sommes là dans la commune de Kasavubo. À travers ce geste, ils ont manifesté leur gratitude aux anciens combattants congolais pour leur bravoure d'avoir combattu aux côtés de l'armée belge pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale.
L'actualité, c'est également après une semaine de négociations et d'échanges à Bibois, dans la commune de Lantélé. La commission paritaire au gouvernement et bon syndical de l'administration sont parvenus à un accord sous la présidence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Les deux parties ont signé un nouveau protocole d'accord. L'intersyndical national de l'administration publique et le gouvernement, représenté par une brochette des ministres sectoriels, ont convenu au terme de cet accord une augmentation de salaire de 45% dès le deuxième trimestre de l'année 2022. Pour le vice-premier ministre, ministre Jean-Pierre Liaou, cette mesure de haute portée sociale traduit la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers ses slogans « Le peuple d'abord ». Et au sujet de la prime de plus de 3 millions de francs congolais que touchent certains fonctionnaires, un rabattement fiscal de 15 à 3% sera appliqué, conclusion à laquelle ont abouti le banc syndical et le gouvernement de la République. Nous y reviendrons avec force détail au cours de nos prochaines éditions. Autre chose, cette question à quand une politique nationale de recherche scientifique, question au cœur des échanges entre le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique José Panda Kabangu avec la délégation de l'Agence universitaire de la francophonie. On fait le point avec Marie Kalong. Les différents centres de recherche de la République démocratique du Congo peuvent compter sur l'Agence universitaire de la francophonie. La délégation de cette structure sous-régionale, conduite par la directrice Aïda Aïssiatou, a rencontré le ministre de Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabangu. Les échanges ont tourné autour de la promotion de la recherche à travers le soutien à la réforme de la promotion de la politique nationale de recherche. L'Agence universitaire de la francophonie soutient l'idée de porter les besoins des centres de recherche membres de cette association. La RDC est un très grand pays de ma région. Comme nous sommes une agence qui regroupe des universités et des centres de recherche, dont un certain nombre dans votre pays, l'idée c'est de venir porter un peu la parole et les besoins des centres de recherche qui sont membres de notre association auprès de leur ministère de tutelle. Aïda Aïssiatou Siwonyou s'est dit très satisfaite de la réaction du ministre José Mpanda. Écoutez, la réaction du ministre a été très enthousiaste et je dirais très encourageante parce qu'il a une très bonne connaissance des enjeux de son ministère et des enjeux de la recherche en Afrique centrale et en Afrique en général. Donc je crois que nous allons pouvoir vraiment bien travailler, enfin convenir ensemble de pistes très précises de collaboration. La promotion de la recherche en République démocratique du Congo, cheval de bataille du ministre José Mpanda Kabangu. 21 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe du PNUD pour réhabiliter la desserte en eau potable dans les provinces du Kassai oriental et des Lomami. Cette bonne nouvelle a été annoncée hier au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Moins Moukaleng. Reportage Oscar Mbalkaïj et Marie Kalong. La desserte en eau potable et électricité dans les provinces du Kassai oriental et des Lomami figure parmi les priorités du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Moinze Moukaleng. Des partenaires du gouvernement, notamment les PNUD, veulent contribuer dans la gestion efficiente de cette denrée rare dans cette partie de la République. Les délégués du service accéléré pour l'assainissement et l'eau dans les provinces du Kassai oriental et des Lomami l'ont dit au ministre Olivier Moinze Moukaleng. La problématique majeure, ce n'est pas seulement l'infrastructure, mais c'est aussi la gestion qui vient après l'infrastructure. Un système d'eau très beau, mieux construit, mis en place, ne peut perdurer que s'il y a une gestion conséquente qui s'ensuit. Alors le focus pour nous, c'est de pouvoir améliorer cette gestion au travers des gestionnaires, améliorer les capacités de gestion, afin qu'ils puissent mieux gouverner les systèmes d'eau et l'action et l'accès à l'eau sera un peu plus pérenne dans ces différentes communautés. 21 millions de dollars américains ont été engagés dans le cadre de ces projets d'intérêt communautaire pour faciliter l'accès à l'eau et à l'électricité dans ces deux provinces. Et cap dans la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire était tout récemment avec le partenaire sud-africain sur la modernisation de l'aéroport de Goma. Regardez.
La modernisation de l'aérogare de Benimavivi à Goma, c'est pour bientôt. Les discussions quant à ce ont réuni le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dimakongwa et Germain Kodjo, directeur général de CAD Project Africa, l'entreprise chargée de l'exécution des travaux sur financement du gouvernement provincial du Nord Kivu. Nous avons déjà fini avec l'étude de faisabilité. Et lui, il a été intéressé, il a donné sa bénédiction pour que le projet continue, parce que ça sera pour le bonheur de la population nord-kivu. C'est vraiment regrettable parce que l'aérogare est construit à bois, donc il fallait travailler rapidement pour que ça soit un miroir que la province de Nord-Kivu pourra hériter de la part de la société 4 Project aussi. De la part du gouvernement provincial, qui est dirigé par son Excellence Constant Dima, parce que l'état de siège n'est pas seulement pour la guerre, c'est aussi pour le développement. L'état de siège, c'est aussi le développement, a soutenu le patron de la firme panafricaine 4 Project Africa. Les travaux vont consister à la construction d'un nouveau bâtiment moderne, le bétonnage du parking, ainsi que le prolongement de la piste d'atterrissage. C'était un commentaire de Nicole Sessep. Encore une autre question, comment amener les communautés locales et le parc de la Garamba à une cohabitation pacifique? La question était au centre d'une campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la loi du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. Les députés provinciaux du Haut-Tuélé ont été sensibilisés à Isiro, quant à ce regarder. Ouverte par le speaker de l'organe délibérant du Haut-Tuélé, honorable Afounde Afongenda Sumbu, cette séance de sensibilisation organisée avec l'appui de l'UNESCO et de l'Union européenne se veut une opportunité de dissiper tous les malentendus qui planent sur la gestion du parc La Garamba, comme l'explique le professeur Richard Mugisa. Quand on parle du complexe de La Garamba, on fait allusion à deux types d'aires protégées. D'un côté, nous avons le parc dans lequel aucune activité humaine n'est autorisée à part le tourisme, la recherche. Et nous avons les domaines de chasse de Azande, Gangalana Bodio et Mondomisa, dans lesquels les communautés peuvent ramasser les bois morts qui sont donc tombés sous le coup de vent. Ils peuvent aussi couper du bois, mais pour usage domestique. Les gens peuvent aussi ramasser des produits forestiers lignés, pratiquer aussi en toute liberté l'agriculture et l'élevage, tout en veillant à ce que cette activité soit compatible aussi avec la conservation. Message bien perçu, conclut l'honorable président qui invite les députés provinciaux à bien jouer désormais leur rôle. Comme les délégués auprès de notre population, afin de les édifier de l'importance du parc national. Pour leur part, les élus provinciaux, à l'exemple de Médard Liki du territoire de Faradje, riverains au parc, saluent l'organisation de cet atelier. Les parcs et la population riveraine, nous sommes conviés à vivre en harmonie. Nous aussi les élus, nous allons descendre pour que nous puissions aussi édifier notre population. Et le diabète est une maladie liée à un trouble de l'assimilation des glucides avec présence de sucre dans le sang et dans les urines. Et Cap dans la province du Maniema pour parler justement de la remise des matériels pour lutter contre le diabète. Regardez. Dans une brève cérémonie qui s'est tenue ce lundi 1er novembre 2021 devant le cabinet du travail du gouvernorat, le gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idriss Mangala, a procédé à la remise des glucomètres et autres accessoires aux 18 médecins chefs de zone de santé de la province du Maniema et quelques médecins directeurs, dont celui de l'hôpital général de référence de Kindu. 90 structures de santé, dont les hôpitaux généraux, le centre de santé de référence et autres structures sanitaires privées intégrées, sont les principaux bénéficiaires de ces dons, a précisé le chef de l'exécutif provincial. Les taux de l'hyperglycémie dans la province est élevé. Il faudrait éradiquer cela. Le fait que je m'engage beaucoup dans le secteur de la santé, raison pour laquelle je remets ces dons aux différentes structures de la santé. Le chef de division provinciale de la santé publique du Maniema a indiqué que son entité administrative avait un besoin criant en matériel et glycomètre. La solution donc est trouvée par ces gestes du gouverneur.
Et ce geste est un gage d'une volonté politique de la part de l'autorité provinciale et qui rassure devant toutes les zones de santé représentées ici. De quel geste s'investit techniquement dans la prise en charge des maladies graves, entre autres le diabète? C'est une pathologie qui n'est pas parfois du tout diagnostiquée à l'intérieur où la population n'a pas tous les moyens diagnostiques. Sur place, le gouverneur AI a instruit les responsables des structures sanitaires bénéficiaires de ces dons de dépister gratuitement les 25 premiers patients. Listem Bondaka, l'heure est à la présentation du rapport bilan. Son directeur général parle d'un bilan positif, nous dit Bobo Samba dans ce commentaire. Listem Bondaka se veut bon élève. On croit son directeur général Faustin Poutou, son établissement a suivi de près les instructions édictées par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. L'Institut supérieur de technique médicale de cette partie du pays, sous l'impulsion du DG Faustin Poutou, fait peau neuve. L'on peut constater la construction des bâtiments administratifs et des auditoires, mais aussi la construction et l'équipement d'une salle technique, sans oublier la création d'une cuisine diététique. Dans le lot des réalisations du comité de gestion de l'Istem Bandaka, il y a aussi le paiement et la majoration de la prime locale du personnel de cet institut, l'acquisition des engins roulants, des meubles, mais également l'ouverture d'un cycle de licences et la création de nouvelles filières de l'enseignement. L'Istem Bandaka peut désormais compter sur l'encadrement de 5 nouveaux professeurs docteurs, a fait savoir Faustin Poutou lors de la cérémonie de collation de grades académiques 2020-2021. Chers collègues, soyez fiers de la formation réussie de l'Istem Bandaka et ne souffrez d'aucun complexe, car vous avez reçu des enseignements pertinents assurés par un bon professoral de niveau outillé et qualifié. L'Institut supérieur de technique médicale de Bandaka vient de verser sur le marché de l'emploi 427 lauréats. Et le ministère des PTNTIC a fait un démenti sur l'information qui circule depuis hier dans les réseaux sociaux faisant état de l'interdiction aux entreprises de télécommunications de vendre des forfaits Internet, SMS et appels. Le détail dans ce communiqué commenté par Nono Mantekou. Rien de vrai si ce n'est un fake news. Fruit d'une intention d'induire l'opinion en erreur. Il se propage sur la toile une fausse nouvelle sur une prétendue interdiction faite par les ministères des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication aux opérateurs de téléphonie mobile de vendre des forfaits aux utilisateurs à cause, selon toujours ces fausses rumeurs, de la paralysie du paiement des RAM. Le ministre des PTNTIC, Augustin Kibasa Maliba, porte un démenti formel sur cette fausse information qui circule sur la toile. Des folles rumeurs pour porter gratuitement atteinte à une opération dont le mode opératoire est connu, envie tout simplement de créer une confusion dans l'opinion. Ceci dit, les ministres des PTNTIC rassurent les abonnés que rien de tel ne sera fait et que les auteurs de cette infox s'exposent aux sanctions judiciaires. Et puis, cette page noire, avant de boucler complètement ce journal, Madame Sandra Nyangui Tabou, journaliste à la RTNC, ses frères et sœurs, professeur Dr Mambou Nyangui Mondo, Thérèse, ministre provinciale honoraire de la Santé du Congo central, ses frères et sœurs et la grande famille Nyangui, Madame Angélique Belanga Tabou, ses frères et sœurs, ainsi que toute la famille Belanga et la grande famille Lelo, ont la profonde douleur d'annoncer aux membres des familles, amis et connaissances la mort inopinée de leur père, grand frère, époux, oncle, beau-frère, beau-père et grand-père, M. Nyangui Lelo, André Jacques, Andy, pour les intimes, journaliste et coordonnateur à la RTNC2, décès survenu ce vendredi 29 octobre 2021 à 9h à l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa des suites d'une maladie et le programme des funérailles se présente comme suite. Lundi 8 novembre 2021 à la salle polyvalente Dinga, référence alimentation Yezuni Djibou dans la commune de Bandalungwa, 18h, messe des suffrages, 22h, veillée mortuaire et suivi de témoignages, 22h, animation musicale, mardi 9 novembre 2021, levée du corps de la morgue du cinquantenaire, exposition à l'explanade du
studio Maman Anguébi de la RTNC à 9h précise, 11h, levée du corps pour le repos éternel au sépulcre de Kimberley Memorial Park, signé La Famille Nyangui. C'est par cette note triste que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite. Au revoir.